Salut ma gang de vous autres, bienvenue dans Metal Gras. Aujourd'hui, je vous parle du premier album d'Hypocrisie qui s'appelle Penetralia. Je connais principalement Hypocrisie parce que le guitariste de ce groupe-là, c'est le gars derrière le groupe électro-metal Pain, et tout le gars qui fait tout dans la carrière solo de Till Lindemann, le chanteur de Rammstein. Je vais être bien honnête avec vous, j'étais un inculte dans le death metal. Fait que je connaissais pas Hypocrisie, puis je me suis fait conseiller ça dernièrement parce que je disais que j'étais un gars qui aime beaucoup les riffs trash dans le death metal. Mais je vais revenir à ça un petit peu plus tard. Premièrement, la chose qui va vous marquer le plus, c'est. En tout cas, qui m'a marqué le plus, moi, c'est la production, que je dirais qui est un peu douce pour un album death metal, mais c'est, je dis pas ça dans le but d'être négatif, au contraire, je trouve ça bon parce que ça te permet d'entendre tout ce que la guitare fait. Souvent, les groupes death metal vont servir de la production, genre en mettant le drum trop fort ou la voix trop en premier plan pour cacher le fait que la guitare crisse pas grand chose. Le grand Ultra Boris a dit que le death metal est bon si on remplace pas les riffs par des entrailles et des plots. C'est un album de riffs, il y a beaucoup d'influences thrash metal, mais. C'est un album death metal quand même standard. Toutes les tunes sont de même. T'as pas vraiment de points forts, t'as pas vraiment de points faibles, mais tout est à un pied du plafond, c'est vraiment bon. Il y a certaines subtilités, t'as des bouts groovy, les premières tunes ont des accents mélodiques death parce qu'on utilise beaucoup la guitare aiguë puis certaines harmonies de guitare et tout. Il y a même une tune qui est doom, tout ça dans le but de créer un death metal quand même assez varié. Avec ses petites subtilités. L'album commence avec M. Pot and God, que vous allez remarquer qu'il y a tout de suite des bons riffs. Après ça, on a Suffering Souls, qui contient des riffs un peu plus graves, je dirais, dans l'ensemble, mais alors des belles harmonies de guitare dans le bridge. Nightmare commence standard death. Je dirais qu'il y a des riffs un petit peu plus basiques, mais vraiment bons. Vire Doom Metal dans le bridge. Jesus Fall. Elle a des riffs entrailles pour le début, mais après 30 secondes, vire riff death, piqué très mollo, standard. Après ça, on a God is Alive, ou God is 3 petits points, dépendant de la version que vous avez. Encore un peu trop d'entrailles, je dirais, mais c'est quand même une bonne tune à bord, à brassage de tête. Un peu de groove mélodique qui tout dans le bridge, c'est vraiment bon. Left to Rot, c'est une très bonne avec des riffs standards, le bridge est ridiculement accrocheur, peut-être une petite affaire trop court. Burn by the Cross, des riffs trash de main droite comme on les aime, avec un refrain dangereusement accrocheur. To Escape is to Die, commence Raining Blood carrément avec un petit lit niaiseux et accrocheur. Avir un petit peu plus de standard, mais quand même. Take the Throne. Encore du Death Standard qui me rappelle de quoi qui aurait pu être sur Scream Bloody Gore, le premier album de Death, mais je pense à ça, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être sur le premier album de Death. Puis fini avec Penetralia, la toune, commence clean avant de virer Slayer, un peu de diversité au point de vue du vocal, je pense que c'est un autre gars qui chante. Sinon aussi, en Triff Groove, Death Thrash, elle a le meilleur solo de l'album. Ah oui, tant qu'à parler des solos, l'album a certains solos, c'est pas un point fort je dirais, mais c'est juste le fun qu'il y en ait, parce que c'est pas tous les albums death metal qui ont des solos. Bref, si vous aimez le death metal et vous connaissez pas Hypocrisie comme moi, faites l'effort, ça vaut vraiment la peine. J'aime tout la voix. J'ai pas parlé de la voix, je voulais dire la voix Cookie Monster standard d'un groupe death metal. Non, c'est un très très bon album, comme j'ai dit, il est consistant à un pied du plafond, un gros 9 sur 10. Si vous aimez le thrash, vous allez aimer cet album-là, puis si vous aimez le death metal, vous allez aimer cet album-là. Sinon, je dirais que c'est pas si pire pour une introduction au death metal si vous n'avez jamais écouté. 9 sur 10. C'est le temps de faire un zoom sur ma grosse face. Comme d'habitude, je vous invite à venir liker ma page Facebook qui est dans l'adresse, la description, la patente en dessous. Bref! Sinon, merci de votre écoute. Si vous avez d'autres suggestions dans le death metal que je devrais écouter, n'hésitez pas. C'est des commentaires à me faire et tout. Si vous aimez les entrailles et les plots, vous pouvez m'en parler et tout. Sinon,